Lyon défend sa 5e place au classement et doit battre Lorient 9e, des Lyonnais privés de Tolisso, Fofana, Bisevac et Miguel Lopez. C'est l'ancien Lyonnais Chris qui vient donner le coup d'envoi fictif de la rencontre. Lorient est privé de son côté de très nombreux joueurs. Ekwele Manga est suspendu. Aboubakar, Barthelmé, Koné, Diallo, Sunu, Jouffre, Odar, Baka et Garcia sont tous blessés, soit quasiment une équipe complète. Lorient, qui reste sur 6 matchs sans défaite, va essayer d'obtenir un bon résultat à Gerland. Et l'Orientais qui commence bien la rencontre avec Brian Pelé pour l'accélération. Le contact avec Mouamadou Dabo. L'arbitre du match, Anthony Gauthier, intervient et sort le carton rouge contre Mouamadou Dabo. On joue depuis 14 minutes dans ce match. L'exclusion du défenseur lyonnais. Un coup très dur pour Rémi Garde et son équipe. Lorient va pouvoir continuer le match en supériorité numérique et Lyon en difficulté. Les Lorientais vont essayer d'exploiter cette situation contre des Lyonnais qui n'ont gagné qu'une seule de leurs 3 dernières rencontres. Et Lyon a besoin de s'imposer sur les 2 derniers matchs pour être tranquille par rapport à Marseille, son poursuivant qui est 2 points derrière. Les Lorientais qui continuent à attaquer, c'est sauvé après une très bonne frappe. Les Bretons semblent en bonne forme et pas forcément très loin de l'ouverture du score. Mais Lyon a aussi des possibilités, même à 10, avec ce centre de Bédimo et cette reprise d'Alexandre Lacazette. C'est sauvé par Florent Chéniaud qui remplace Odar dans le but breton. À la mi-temps, 0-0, Lyon a tenu, mais il faut faire mieux que tenir, sous peine de voir Marseille revenir au classement. Et dans cette seconde période, Légone qui insiste. Avec un ballon dévié, puis repris par les Bretons. Ça va très vite de l'avant. Une passe pour une contre-attaque express. Et le ballon qui revient sur Cheikh Doucouré pour l'ouverture du score. 53e minute. C'est le premier but de la saison pour Cheikh Doucouré. C'est même son premier but en Ligue 1 sur son premier tir cadré en L1. Lorient mène 1-0 et profite enfin de sa supériorité numérique. Bien servi par Brian Pelé, Cheikh Doucouré en profite. Lyon se retrouve en grande difficulté avec 2 buts à mettre à 10 contre 11. Et les Lyonnais qui s'évertuent dans un premier temps à égaliser avec Johan Gourcuff qui est entré sur le terrain. Le petit centre et la reprise de la tête, mais c'est sauvé par Chéniaud. Le ballon est au-dessus. Pas de réussite pour les Lyonnais. Jimmy Briand était tout proche de l'égalisation. Lorient continue à avoir de bonnes situations avec ce ballon qui rebondit. Et les Lyonnais qui le récupèrent, ça se bat au milieu du terrain, les deux joueurs s'accrochent, 94e minute, Jordan Ferry et Kevin Monet-Paquet qui craquent, Anthony Gauthier va intervenir et sortir un carton rouge pour les deux joueurs. La rencontre se termine donc entre 9 Lyonnais et 10 Lorientais. Rien ne changera, c'est bien Lorient qui réussit l'exploit de s'imposer 1-0 à Lyon. Les Lyonnais sont toujours sous la menace de Marseille avant la dernière journée, mais conservent leur 5e place.